Bonjour à tous, c'est Charlie. On est le dimanche 18 décembre, il est environ 8h30 je crois. Et aujourd'hui, pour changer, on va dire, on va faire du derby. On va partir à Bruxelles pour un triple header. Un triple header, c'est quoi? C'est trois équipes qui s'affrontent et vont toutes s'affronter. Donc oui, il y a des équipes en fait qui vont jouer deux matchs d'affilée. Et en fait, on va affronter donc, les Quad Guards de Toulouse et les Mannequins de Bruxelles, ceux qui nous accueillent. Voilà, ça va être un super tournoi, sachant que les Quad Guards de Toulouse, c'est nos rivaux principaux en France. On a perdu contre eux en Coupe de France la saison dernière. Et donc j'espère qu'aujourd'hui, on va pouvoir faire un gros match et puis les bousculer, voire j'espère les gagner en tout cas. Très rapidement, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo. Pour la simple bonne raison que en fait, je me suis blessé à la cheville. J'avais prévu pas mal de petits plans au niveau du roller derby. J'avais prévu d'aller m'entraîner chez les Badass. Et malheureusement, puis en plus la rando qui avait lieu le dimanche, malheureusement, j'ai pas pu. Et puis voilà, ma cheville a enflé. Et je devais jouer également aujourd'hui. Et malheureusement, j'ai pas pu jouer. Mais pour autant, en fait, je me suis quand même proposé en fait, pour être line-up. Donc en fait, line-up, en fait, en gros, c'est un des deux postes de coach pendant un match. Vous avez le bench et le line-up. Et en gros, le line-up est celui qui va en gros... organiser les lignes qui vont partir en fait sur le jam à chaque fois. Donc voilà, je me suis proposé pour le faire, ça va être une première pour moi. J'ai pas mal bossé dessus et j'espère que ça va le faire. En tout cas, je vais me donner à fond et je vais m'encourager à fond les gars pour qu'on puisse faire deux belles performances à Bruxelles. Voilà, je vous laisse là ici. Je sais qu'il va y avoir pas mal de plans. Je vais sûrement faire des petites interviews, faire des petits plans du match, de l'event, etc. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, et si vous voulez voir d'autres choses, il n'y a pas de souci. Bon allez, je vous laisse là, et puis je vous dis tous une très bonne journée. Ciao! Ok, on vient d'arriver à Porte de la Chapelle. Désolé pour le bruit, hein. J'ai pas de micro encore. Donc là on arrive au premier rendez-vous en fait où on va récupérer. Donc là je vais être avec Alligator et Poupa. Et ensuite on va partir, on va aller récupérer sur Amiens Willy. Et ensuite direction Bruxelles. Bon, il fait pas très beau ce matin, c'est pas le top, donc on va faire beaucoup de plans d'extérieur. Sinon, excusez-moi pour ma voix, hein. J'ai une petite voix bien rocailleuse ce matin. Merci aux gueuses de Pigalle pour l'after d'hier soir, c'était vraiment sympa. En fait, elles avaient un double header hier au même endroit là où j'ai rendez-vous d'ailleurs ce matin. Et finalement, résultat mitigé avec une défaite pour l'équipe B et une victoire pour l'équipe A. Et pour terminer en plus avec une super soirée. Voilà, bon là on se retrouve normalement peut-être à Bruxelles. Allez, ciao. Tu resteras pour la prochaine. 3 pour la salle.
Bon, bah, premier match, première défaite, super match. Et très très grosse défense de la Paname Squad. Voilà, comme vous avez pu voir le score, c'est vraiment exceptionnel, un super match, très propre, pas beaucoup de fautes. Donc voilà, on attend direction deuxième match contre les Mannequins Beats et à tout à l'heure. Les gens ont un truc vénère. Allez, ouais. Est-ce que tu pourrais juste dire ce que t'as pensé du match contre Toulouse? Juste ton impression tout ça. Alors bah et la plupart du temps j'étais bloc 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 bloc. Et après j'étais aide. Après j'ai prochaine fois. Voilà. Et là tu vas faire quoi pour le prochain match? Alors d'abord je vais faire aide. Mais je pense qu'à un moment je vais faire bloc 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 bloc. Bonne chance. Merci. La balle ouais. Est fort. La bagarre. La T'as vu mon apex ou pas? T'as fait un apex? J'ai fait un gros apex, double apex. Bravo pour les deux matchs. Super Poupa. Bravo les gars, merci. Merci les gars, super, merci. C'est cool. Merci Ali. Merci Manu. Calin général, avec un général. Avec un général. Allez les gars. Bravo les gars. Maé. Maé. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Un PBM, c'est pas magnifique. D'accord, alors qu'est-ce que t'as pensé de la journée de derby? C'était intense. Ouais. C'est chaud, mais c'est cool. C'est d'accord, ça s'est bien passé pour toi. Ouais, non, mais en plus, en d'autres, on avait une bonne communication et tout, c'était nickel. D'accord, et où est-ce qu'on va te retrouver prochain match? Petit scrimmage à la cool chez Badass le 7 janvier, le 8 peut-être chez Panthers, et le 14-15 janvier à la peine. J'ai 21-28 aux Pays-Bas. Moi aussi. Et après on verra le 26. Tu vas lui faire toute l'année, gros. C'est ça, t'es chaud toute l'année. Non, juste janvier. Ok, bah merci Polo. Ouais, c'est cool. Ouais. Borel, c'était comment le match? Ah, c'était fatigant là. C'était fatigant? Hyper échouante. Vraiment. Ouais, on a aujourd'hui fait un beau petit coaching, c'est vraiment sympa. Ouais, et merci Aurèle, merci Charlie. Bon, je suis avec Track Vader. Et Mankens, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, je m'appelle Track Vader, ou Julien. Je suis un blogueur pour les Mankens. Blogueur. Et alors, cette journée, comment ça a été? C'était génial. Franchement, on a fait venir deux équipes dont on connaît le niveau et on savait que ça allait être un challenge. Et on en a eu pour notre argent parce que franchement c'était des matchs engagés on va dire. D'accord. Et la suite pour les Mankins ça va être quoi? Prochain tournoi c'est Battle of the Beast fin janvier. C'est un tournoi aux Pays-Bas avec alors le niveau va être complètement hétéroclite parce qu'on a des équipes d'Angleterre mixées avec des super bons joueurs, puis on a des équipes avec des gens pour qui ça va être les premiers matchs. Donc ça risque d'être un beau bordel, mais ça risque d'être super, super sympa quoi. En plus vous allez jouer contre nous. Nous on amène nous Paname B. On rejoue la Paname, ouais. Exactement. Ça va être super cool. Bah, nous ça sera pas les mêmes joueurs normalement, hein. Il y aura 2-3 joueurs de la A normalement, mais c'est pas prévu, enfin on sait pas encore. Mais globalement c'est un match de la B. Hein. Super, voilà, c'est pour faire évoluer à nos joueurs aussi. En gros, ça va être la solution, ça va être de jouer la Paname une fois par mois. Quoi. Mais ça va être ça. Okay, ça pourrait être une bonne idée pour en parler à nos coachs. Moi, ça me va. Je signe, on signe. Et moi, j'avais une petite question comme ça, mais très rapide, très perso. Ta barbe, comment tu l'entretiens? Alors, ma barbe, comment j'entretiens? C'est tout un. Déjà, ma barbe, c'était un combat avec ma copine pour déjà avoir le droit d'avoir une barbe. Maintenant j'ai réussi parce que je lui ai montré des photos de moi quand j'avais pas de barbe et elle a bien compris que c'était mieux que de la pousser. Non, ma barbe c'est je la taille une fois par semaine et je mets un peu d'huile tous les matins. Une petite huile très parfumée, très agréable. Ouais. Bon là on la sent pas parce qu'elle sent un peu la transe mais
le match est passé par là, quoi. Ouais, non, j'ai la transpiration de tous les joueurs de la Paname et de Toulouse dans ma barbe, donc j'ai plein de souvenirs pour rentrer chez moi. D'accord, super. Bah, merci beaucoup, Tragala. Bah, merci à toi. Et puis, bah, bon match, c'était super cool en tout cas de vous voir, et puis, c'est un plaisir de te voir. Et on se voit en janvier, hein. Bah, écoute, on va se voir, ça va être un grand plaisir. Cool. Allez, ciao, merci. Ciao. Longtemps, je suis arrivé là, je pense, il y a à peu près 10-15 minutes, je crois qu'il y a à peu près environ 1h du matin. Donc très grosse journée, pour faire un petit bilan de la journée, c'était une super journée. Au niveau des résultats, on a fait malheureusement une défaite contre les Poids de Garde, mais une défaite qui était vraiment super serrée, donc c'est un match super intéressant, des grosses défenses de la part des deux équipes, et franchement, ça promet des belles choses pour la suite, on va encore les affronter bientôt en plus. Deuxième match contre les Mankins, c'était comme le premier match qu'on a joué contre eux, à la Mec, voilà, avec un peu plus de facilité pour le jammer de passer. Mais voilà, c'était quand même un match super intéressant à regarder. De mon côté, line-up, première expérience positive, c'était vraiment super intéressant. Et c'est, je pense, d'autant plus intéressant dans le sens où c'était bien de se mettre à la place des fois des autres. Et de voir un peu tout le travail qui est fourni et que c'est un poste qui n'est pas facile, tout comme le poste de bench. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier Aurel et Mirage qui m'ont donné leur confiance pour ce match. C'est quand même des matchs de haut niveau et ça me fait vraiment plaisir qu'ils puissent compter sur moi, qu'ils ont pu compter sur moi en tout cas pour le match. Et voilà, donc j'ai donné tout ce que je pouvais, j'ai beaucoup travaillé pour. C'est plutôt bien passé, on n'a pas eu de grosses catastrophes, on a pu tourner, etc. Donc voilà. C'était un super dimanche. Merci à nos amis Bush de nous avoir accueillis, c'était vraiment une super orga, tout ça. Bravo Quad Guards, c'était vraiment un super match. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai fait un peu plus d'interviews qu'avant. Petite interview de Track Vader, ça faisait super longtemps que je voulais le rencontrer et j'ai eu la chance de le rencontrer aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Et puis on se retrouve en 2017 avec la Paname Squad. Et puis pour les vidéos, je vais peut-être vous faire une petite vidéo, c'était avant les fêtes. Du moins, elle sortira après le 25, ça c'est sûr. Et je vais la tourner un petit peu avant. Un nouveau format, toujours sur le roller derby. Voilà, je vous en dis pas plus. On va voir si ça peut se faire en tout cas. Allez, peace. Ciao.